5 choses que j'ai apprises dans les forces spéciales de l'armée suisse. La première chose que j'ai apprise en arrivant à la caserne d'Izone, c'est de commencer par faire son lit. Ça te permet dès le matin de prendre le contrôle de ta journée. Tu te sens accompli et même si c'est 4h du matin, tu commences la journée de la bonne manière. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que les limites mentales arrivent bien avant les limites physiques. On faisait une marche de plusieurs heures avec plusieurs dizaines de kilos sur le dos et je portais un lance-roquettes. Il était littéralement en train de me scier l'épaule. Je suis à deux doigts d'abandonner. Je me dis que c'est impossible que je finisse la marche sans tomber dans les pommes. Mais une heure plus tard, je suis toujours debout. Et 6 heures plus tard, quand la marche se termine, je réalise qu'en fait, tout ça, c'était dans ma tête et que mon corps pouvait encore aller beaucoup plus loin. Troisième chose que j'ai apprise, c'est la discipline. La plupart des gens font les choix faciles. Ils prennent les plaisirs à court terme qui vont nous faire souffrir sur le long terme. Le fait d'avoir de la discipline, ça va nous permettre de travailler maintenant, faire du sport maintenant, prendre une douche froide, ne pas ouvrir son téléphone. C'est plus dur maintenant, mais sur le long terme, ça nous permet de nous sentir beaucoup mieux. Numéro 4, c'est de prendre ses responsabilités. Quand je suis arrivé à l'armée, j'étais un gamin de 18 ans. Et 8 mois plus tard, je suis ressorti en étant un homme. Parce que j'avais survécu à une expérience très difficile et j'avais compris que la seule et unique personne responsable de ma vie, c'était moi-même. La cinquième chose que j'ai apprise, c'est d'être un guerrier. J'ai énormément de chance de ne jamais avoir été confronté au réel combat. Mais ça m'a fait réaliser que s'il y a des personnes qui sont prêtes à aller mourir pour leur pays, à se prendre des grenades et des missiles, moi, la prochaine fois que c'est un petit peu difficile dans ma vie, j'ai intérêt à le faire. C'est uniquement en se surpassant et en étant courageux qu'on peut atteindre ses objectifs. L'armée, ça a été extrêmement difficile, mais je suis extrêmement heureux de l'avoir fait grâce au...